Donc Stéphanie Marin me demandait, mais est-ce que tu veux bien participer à l'exposition aux abattoirs? Alors je dis oui, bien sûr. Quand j'ai visité les abattoirs ici, cette grande galerie, je me suis dit, mais je ne peux pas montrer ça. Il y a un décalage terrible. Là, on est dans la sérénité ici. On est encore dans une sorte de dramatisation. Il y a quelque chose d'assez émouvant dans ce lieu et de poignant même. Hein. On est dans le tragique. Ça va être quand même une aventure. C'est ça qui me plaisait. C'est quoi cette plaque? C'est quoi? Il est magnifique ton dessin, le ratatouille. C'est très belle. Oui, bien sûr, je vais essayer. Je vais pas le Je ne peux pas décider à l'avance, tu vois, c'est des trucs. Et donc, plus ça va, plus les images que je fais me surgissent, m'apparaissent, me sautent à la figure, si tu veux. C'est le seul appareil que j'ai en poche, c'est mon téléphone. On va faire un truc. Prends le bleu là-bas.
On l'a amené à l'envers. Allô? Oui? Je ne paye pas. Ça, c'est un enfer. La porte. Oh. J'aime bien parce qu'il est très nocturne et j'aime bien les trucs nocturnes et désespérés. Le saut de l'ange vers des ailleurs improbables. Les chaussettes roses. Chaussettes roses, non seulement c'est rose, mais c'est en fil de bambou. C'est-à-dire, c'est genre. Bon, je termine de crayonner un petit peu. Ça, c'est l'en-dessous, il était. Je suis arrivé ici, le mur, il y avait des traces de bleu. Il y avait des traces de blanc, des traces de bleu, donc j'ai utilisé du coup du bleu pour faire cette espèce de territoire plus ou moins géographique. C'est une histoire de géographie, de territoire, de contrées, de lieux. Et donc j'ai juste entouré les bleus qui existaient et j'ai projeté une projection graphique d'un espace quelconque. Allez, je dois y aller. Si, ici, là. Ah! Est-ce qu'il est droit? Je peux pas avoir quelque chose. Moi, je crois que tu. Attends, c'est le temps. Oui, oui, il va la bouger. Et toi, ça, là? Là, attends. Attends, dites-moi, je touche pas. Et je sais que. Attends, André, la chose. Elle ne veut pas ces lumières là. Elle éteint tout, il n'y aura que les autres. Vous êtes fous, les humains. Je me casse. Ça va être un peu de temps.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Tu vois, en plus, c'est ici, maintenant. Il y aura un élément qui ne sera pas, que j'amènerai. Non, c'est une sculpture qui est grande comme ça. C'est un personnage qui regarde la barque d'en bas comme ça, tu vois. C'est ce que j'ai vu quand je suis rentré dans ici, c'est, je l'ai vu accroché. Quoi. Comme ça évoque un peu un morceau de côte, ça peut être un morceau de viande, quoi. Ici, c'est pas mal. Je vais voir s'il y a quelqu'un qui m'a vu. Vas-y, tire. Ça va commencer à vivre et ça joue sur le parcours en plus. J'aime bien ce côté un peu poétique. Enfin, alors certains diront que c'est facile, mais c'est chiant à accrocher quand même. Et là, cet objet, il est tellement terrible de lui-même. Comment tu veux faire ?
n'y a rien à rajouter normalement sur un truc comme ça. C'est tellement beau. Et puis ça veut tellement dire de choses que bon, c'est difficile de lutter. Donc rapporter un petit peu de joie et de bonne humeur. Benoît, pourquoi tu cries Noël ? De faire des choses. Je dis jamais non, je fais des choses si on me fout de la paix. Voilà, moi j'aime bien faire des choses. Et ça, maintenant, hein? Pas, j'oublie les punaises, j'oublie le disque, j'oublie mon dossier, j'oublie ceci, j'oublie cela. Je passe mon temps à oublier. J'oublie. C'est le décor pour la film porno. Dis-moi, avant de partir, ça te fait rien qu'on va, on va éteindre. Thank you.
Putain, je vois rien. Se détourner là. Parce qu'à bout d'un moment, on les voit plus descendre, mais ça continue de descendre et ça descend encore moins, au moins pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Quoi. Elle va descendre très lentement, s'arrêter, repartir. Elle va être beaucoup plus sujette aux aspérités du mur et aux courants d'air et toutes ces choses-là. Elle va se détourner et changer de trajectoire et donc apporter un certain mouvement. T'as les mètres quand même, frère. C'est 16. Ça va, ici ça va. Ici, celui-là, tu peux approcher. Vers moi. On est 5 mm. Stop. Il faut qu'il y ait un temps. Donc 16. Ouais. Vas-y jusqu'au bout, pousse-le au maximum. 4 mètres sur 5. Donc quand on voit le temps de remplissage, rien que pour faire un truc, pour faire ça. J'avance à cette allure-là. Donc quand il y a une surface de 3 mètres carrés à remplir en main. Mais bon, mais c'est, j'ai besoin de ça. Parce que. Je sais pas. Faire les tirages, je vais chercher le sable et tout. D'accord. Avec une ex-copine à nous, qui était devenue danseuse aux USA, mariée avec un footballeur américain, un pote d'enfance de Mickey Rourke.
D'accord. Voilà, hop, on se base. Alors là, la difficulté, c'est de faire les bons raccords. Ah, vous êtes des pros. Hein. Alors, je vais voir moi s'il n'y a pas un pot de colle en plus. Hein. J'arrive. Hé, hey. Je crois qu'il faudrait qu'on remette un peu de colle après ou pas? Oui, je pense qu'on réussit. Non, il doit être. Alors, ce qui est, c'est les quatre notes musicales. Donc, c'est le timbre des quatre notes. Et j'ai la musique. Dans la cage. Mais moi, pour moi, tous les gens qui sont passionnés par quelque chose, ce sont des artistes. Voilà. C'est la passion qui fait vivre. Sans passion, on s'emmerde. On va aller au soleil, parce que j'ai froid un petit peu. J'ai jamais vu un endroit aussi opposé à une exposition d'art. Cet endroit-là, c'est insensé. Ce qu'on peut faire dans un endroit comme ça. En tout cas, là, c'est génial d'avoir donné la liberté totale aux artistes. Parce que je te dis pas, tu leur donnes ça, ils te l'attrapent et regarde ce qu'ils font, quoi. Donc ça, c'est au projet. Moi, je suis contente. Finito. Pardon.